Hallo YouTube und willkommen in diesem neuen Video auf der Knüppelkette. Heute nach Wolfenstein das alte Blut. Oh, salut à toi YouTube, salut à tous et salut à toutes. Ici la caméra qui déconne. Ah, bordel de merde. Oh, salut à tous et salut à toutes, ici Knüppelpoop en direct de la toile pour vous servir dans la nouvelle vidéo en allemand sous-titrée Meburn de Wolfenstein The Old Blood, la préquelle standalone de Wolfenstein The New Order, l'énième reboot de la série légendaire Wolfenstein, le papa du vieux FPS, vu que le papa du nouveau FPS c'est Doom, je raconte n'importe quoi, et on a trouvé enfin la grosse clé. Pour sortir de cette séquence cauchemar. Je n'ai plus de son, tout va bien. Bordel de merde. Et on a retrouvé le son. Donc c'est parti. Nous disions Wolfenstein The Old Blood, qui démarre sur les chapeaux des roues. On voit que c'est un jeu aux textures très très étudiées. Hein. Voilà. On est enfin sorti. Donc on va pouvoir continuer le vrai jeu. Voilà, un petit succès déverrouillé, cauchemar, prison, c'est génial. Et donc nous étions en route pour sauver... Ah, oh non, un nazi. Tiens, mais toi aussi prends des coups de couteau. Ok, alors. Vous n'êtes pas prêt, papa. Oh fuck! Rudy Jaeger et Arthur Weasley. Ouais, bon, ok. Voilà. Donc, je disais. J'avais infiltré. Moi, William B.G. Blazkowicz, avait infiltré le château Wolfenstein. Qui abrite la base secrète de Helga, je ne sais plus son nom, qui est le bras droit, putain, qui est le bras droit de Wilhelmstrasse, dit le boucher, un tortionnaire et scientifique allemand qui a mis la main sur les secrets antédiluviens d'une secte juive ultra puissante, qui permet, voilà, vaguement, de faire des trucs de ouf technologiquement. Et donc, les Allemands sont en train de gagner la guerre. Grâce, ou à cause de ça, plutôt à cause, on va dire. Voilà, c'est la dystopie. On est en 46, là, il y a déjà des mechas, c'est incroyable. Et on s'était fait capter par le bras droit de Helga, qui est le bras droit de Wilhelmstrasse. Ça fait beaucoup de bras droits dans cette histoire. Faisons bien gaffe à ne pas le lever trop haut. Ah oui, comme ça, et... Non. Comme ça. Oh yeah. Ça commence bien cet enregistrement. J'espère qu'il ne peut pas passer le bâtard. What? What? Je peux parler ou bien? Beaucoup de bras droits, attention de pas les lever, et voilà, j'ai été là. Voilà, et donc notre agent infiltré pote Arthur Weasley, non c'est pas Arthur mais c'est rigolo de l'appeler Arthur Weasley, s'est fait capturer et donc on va le libérer. Voilà. C'est bon, on peut jouer. Le commandant est là. Éliminer les commandants. Il y a deux commandants apparemment. Il faut les éliminer le plus vite possible. Est-ce que je peux le lancer? Là. Ok. Voilà, et on va libérer donc notre poteau. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, on a enfin un flingue. Cool. Je sais pas par la touche pour
Je n'ai pas paramétré les touches, disais-je, pour faire le coucou hibou. Mais c'est retard, je l'avais fait. Pourquoi je l'ai plus? Non, c'est pas ça. Bon, je sais plus. Ok. Ceci dit, il reste un commandant. Car je détecte un signal. Oula. Ne fais pas de bruit, YouTube, hein. Fuck. Soyons discrets. C'est extrêmement dangereux. C'est une exécution discrète, ça, mon trou de balle. Bordel. Putain. Et ne t'inquiète pas, on aura tout le temps du monde d'être bourrin. Hein. Mais tant qu'on peut éviter, évitons. Chut, Blaskowitz, ta gueule. Voilà. Maintenant, on va backtracker pour tuer le deuxième commandant. C'est quand même faut pas déconner. Nique sa mère la vie. Mais putain, j'étais clairement sur l'autre plateforme. Tu te fous de ma gueule? Tes mains glissent, Blasco, ou quoi? Et là, tu peux monter ou pas? Putain, il peut pas monter, le cave. Ah, ma vie, c'est de la merde. Putain, ma vie, c'est tellement de la merde. Mais... Ah! Allez! Tu montes. Voilà. Je sais même pas si je suis déjà passé ici maintenant. Oh! Oh, je suis paumé. Oh, il est proche. Il est proche, le Kono. Ok. Maintenant qu'on a tué les commandants. Alors, là on peut se faire plaisir. Mettons le courant au bateau. Et je pense que maintenant on va pouvoir se casser. Bon, décidément ça veut pas. Hein. Allez, Blasco. What? What? Mais... Bouge ton cul! Monte! Monte! Ma vie, c'est de la merde! Nom de Dieu. Voilà. Fermez bien vos gueules. Putain de sa race, quoi. Quoi? Bon, ce serait temps que le vrai jeu commence là, hein. Et je pense qu'on est bien parti.
va essayer quand même de faire une VOD de qualité. Bah pour l'instant ça commence bien parce qu'il y a quand même moult allemands morts. Et mise en charpie. Ça c'est la qualité. Voilà. Ne faites pas attention aux décors qui sont mal texturés. N'est-ce pas? S'il vous plaît. Voilà. Voilà. Là le but du jeu c'est vise les trucs rouges pour que ça fasse boum. Boum. Quand tout Springfield fera boum et que le parage fera boum, mon petit cœur fera boum boum. Allez, où êtes-vous, enfoiré de Nazi? T'as la gerbe. Aujourd'hui, le 60 FPS a l'air de bien se tenir, c'est con. J'enregistre en 30. Dommage. Ok. Ça, c'est de la cinématique en 30 FPS. Vous ne voyez pas la différence, mais moi, je vous jure que ça me fait mal aux yeux. C'est vrai qu'il est bizarre quand même ce moteur, hein, Videtech 5. J'ai toujours l'impression de voir flou. Le rendu est très flou. C'est pas moche, mais c'est très flou. C'était un peu plus précis dans Zoom. Allez, let's go. On avait un super chargement rien que pour ça. C'est la qualité YouTube. Wesley, qu'est-ce que j'ai un plan. Je m'introduis dans le donjon. Je tue tous les putains de nazis sur place. Je vous libère. Et ensuite, on se tire de là en vitesse et on rejoint Kessler à la taverne du village. Ok, pourquoi tu te parles à toi-même? Ah, ah, on a des méchants jeux vidéo. On a des morts ridicules. Ça, Perlotte, pas de truc rouge pour faire boum boum? Boum, comme mon petit cœur fera boum. Que le barrage fera boum. Et tout Springfield fera boum boum. Alors. On va faire une petite démonstration de nos skills. Mais que tu es fort, Blazkowicz. Ça, c'est le syndrome des flingues qui font clac-clac. Je déteste ça, putain. Quand ça manque d'impact, quand ça manque de force, tu vois. Moi, je voudrais être assourdi par les coups de feu. Ça va, monsieur? Je crois que ça va. Je veux pas des flingues qui me font l'effet. De pétard. N'est pas intéressant. Ah, nique ma vie. La maniabilité dans l'eau est détestable. Clairement, c'est détestable. C'est de la merde. Mais n'importe quoi, toi. Lâche ça. Oui, voilà, très bien, ici. Alors, je ne connais pas cette arme, le Camp Pistol. Je suis quasiment sûr que c'était pas là-bas qu'il fallait que j'aille. Ah! Non, laisse-moi descendre le bateau. Mais là, je reviens sur mes pas. Non! Non! Ou alors, peut-être que si. Ah bah non, si, c'est bon en fait, c'est le bon chemin. Alors attends, par contre. Continue à pied.
Qu'est-ce qu'il y a, hashtag? Peut-être pas sur Twitter, les gars, là. De toute façon, vous ne savez plus où je suis. Le bâtard doit être là-haut. Non? Je peux pas la prendre celle-là? Attends, si. Voilà. Où êtes-vous, commandant? Tu fous ça, toi? Bonjour, commandant! Y'en a d'autres qui veulent la max, là, ou pas? Hmm? Là, c'est week-end gratuit, hein. Moi, je préfère ça. Bande de pétzouilles. Voilà. Et bien ça, YouTube, tu vois, c'est ce qui s'appelle passer un passage d'infiltration en toute subtilité. C'était parfaitement inutile, oui. Les ennemis sont beaux quand même, hein. Mais le jeu est beau en général. Très franchement, c'est pas moche du tout, hein. Il y a 2-3 soucis de framerate, mais ça c'est la faute du jeu, hein. C'est pas ma faute évidemment. Vous l'aurez compris. Ok, d'accord. Je comprends pas bien à quoi sert ce petit trou. Mais bon, soit. Continuons, YouTube. On dirait la grosse clé que j'ai récupérée dans la séquence cauchemar, c'est dingue. Plus de larmes maintenant. Que des rêves. Eh oui. Bien. Continuons. Aïe! Non, non. Voir Button! Cette terre, ça me rappelle la tourbière près de la ferme des Johnson. Ah ouais. Cette odeur de végétaux en décomposition. Ah ouais. Ouais, moi aussi. Ça me rappelle exactement la même chose. Blazkowicz. C'est pas compliqué d'avoir une voix de jeu vidéo. Une voix de héros de jeu vidéo américain. Non. Pas compliqué du tout. Très bien, continuons. N'est-ce pas? Nos tuyaux sont quand même vachement résistants. J'ai envie de mourir comme ça. Alors, vous avez vu, c'est fort. Le couteau reste dans ma main, même si je le tiens pas vraiment. Hein. Bon alors. Où est la sortie? C'est là. Alors. C'était clic gauche, clic droit, c'est ça, ouais. Infiltration. What? Mais merde! Non! Plouf. Sans un bruit, sans une éclaboussure. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. C'est très classe par contre. Le côté catacombe, c'est bien. Et c'est bien parce que là, tu vois, on est dans Wolfenstein.
dans le château Wolfenstein. Et on n'a pas tant que ça, des jeux Wolfenstein qui se passent dans le château Wolfenstein. Même pas le début de Wolfenstein The New Order se passe dans, dedans. C'est classe. Bon, par contre, ça ressemble à rien, mais sinon c'est classe. Ah! Guten Morgen! Mais sinon, qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Vous avez trouvé une zone secrète. Incroyable, YouTube, incroyable! La saturation! Et oui, putain! Sa mère, la zone secrète, donc. C'est toujours extrêmement bien animé quand je me hisse. Hein. Donc ça, c'est une zone qui ne servait donc strictement à rien. On s'en jaille. On va essayer le Kampfpistol. Par curiosité, hein. Parce qu'il faut pas mourir bête. Et il faudra après aussi qu'on essaye le Bobenschuss. Il faut que je traduise l'inscription de sarcophage. Edith Rigene... non. Edith Rigene Kineres ic sarcophagus abet. Sarcophagus abet, pardon. Elga est intéressée par les sarcophages du roi Othon. Mais c'est bien ça. Voilà, attends, par contre, Bobenschuss. Bobenschuss, vous savez quoi ça? Ah oui. Ah, c'est là. Ah, j'ai des couteaux de lancer maintenant. Ça, c'est bien, par contre, pour tuer les commandants. Oh, oui. Oh, c'est le plaisir. Ah, je joue comme un gros bourrin, mais par contre, mais mon Dieu, mais c'est le plaisir, quoi. Ils ont mis des casques sur tout... sur les crânes, quoi. Bande d'enfants. Vous êtes des gamins. Mais c'est tellement bon d'être un gamin. Ouais, je suis sûr que c'est pas toi qui va me contredire, YouTube. C'est moi où les textures ont disparu pendant que j'avais le dos tourné. C'est très beau. Le rendu est très très beau. Ces textures sont pas hyper fines, quoi. Mais le rendu, en fait, marche tout à fait. Par contre, si les textures pouvaient arrêter de disparaître... Dès que je me tourne 5 minutes... Non, j'ai assez de grenades, d'accord. Bah, si vous commencez à me connaître, vous savez que je ne suis pas homme à utiliser des grenades. Ah, c'est classe, ça, les petites bougies noires. Si on a 15 ans. Y a quand même une importance donnée quand même à la scénographie. Parce que là, tu vois, quand tu rentres là, ça, c'est très, très bien aussi. Ça, c'est du très, très bon. C'est très très beau. Le choix des couleurs aussi, même si c'est gris ternasse dégueulasse, on se fait chier, est pas mal du tout. C'est du bon gris ternasse, on se fait chier. Voilà, ok, très bien. Ah oui, des munitions de Bobenschuss, très bien. Il m'en faut. J'aime beaucoup cette arme. Ok, et maintenant ? Ah, là. Ok, très bien. Ok. Ok. On va pas tarder à s'arrêter là, mais... Mais j'ai envie de pousser encore la... 5 petites... Bordel, 5 petites minutes. C'est très très beau.
Allez. Allez. Allez, backsport escalade. On s'enjaille. C'est bon, j'ai capté comment on escaladait. Attends. Mon Dieu! Mon Dieu! Ce fail! Le mec, il a vu un vieux couteau tout pourri lui passer entre les jambes, ça. On peut évidemment exécuter les gens au corps à corps comme dans Doom, hein. Arrête de lancer tes couteaux dans le vent. Trou de balle. Allez. De toute façon, ça faisait largement assez de temps qu'on enregistrait. On avait fait un gros fail qui puait du cul. Donc voilà, ça n'est pas plus mal. Merci à toi YouTube. Merci à tous et à toutes d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à son terme. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. N'oubliez pas le Laïus. Vous le connaissez par cœur. J'en fais grâce cette fois-ci. Et je vous dis à bientôt, à très bientôt sur la chaîne, et à plus YouTube, des bisous.